Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci à vous tous qui êtes déjà là en train de suivre l'émission. Merci partout où vous êtes. Bon week-end à toutes et à tous. Merci encore une fois. Nous sommes là pour aujourd'hui, comme vous avez vu dans notre sujet, Perro Luara, manipulateur ou communicateur pour le changement. Je vais essayer de vous en parler et de vous donner ma façon de voir les choses. Je dois ici d'abord m'excuser auprès de ceux-là qui pourront me dire pourquoi tu parles de ces sujets. Il y en a qui m'ont dit ne réponds pas. Il y en a qui m'ont dit ne parle pas. Mes chers amis, vous ne m'avez pas posé la question pourquoi HK tu as conçu cette émission. Chers amis, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis assis, en train de faire mes petites histoires avec ma famille. Mais quand j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux, beaucoup de mensonges sur tous les canaux de communication, je me suis dit pourquoi ne pas m'engager aussi. Vous savez, ça fait mal parfois, tu es un joueur, on a quatre quartiers, au moni, ban quartier, bazo beta match. Ba bengio yako beta olingite mais au moni beteli el moko souci ezali ke okota na terrain pe obeta. C'est la même chose. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de problèmes, je me suis dit pourquoi ne pas aussi donner ma contribution n'a qu'au rétablir la vérité là où il y a beaucoup de mensonges. Je me suis permis aujourd'hui de parler de ces sujets d'un confrère qui s'appelle Perro Luara. Je vais essayer un peu de vous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, comprenez que c'est la raison, c'est l'émission de Perro qui m'a poussé à faire ces sujets. Je n'avais même pas prévu ces sujets. Mais beaucoup m'ont demandé si je pouvais peut-être donner un avis. Alors, chers amis, asseyez-vous confortablement et suivez avec moi cette émission. Commentez là où vous êtes et publiez si vous le voulez. Mais nous vous demandons d'abord d'aimer notre chaîne, de vous abonner. En bas là, à droite, il y a un endroit écrit s'abonner, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification. Vous aurez toutes les nouvelles vidéos que nous postons à tout moment. Alors, chers amis, de quoi il est question dans cette émission aujourd'hui? Voici la question du jour. Perro Luara est-il un communicateur ou un manipulateur? Chers amis, tout commence par cette vidéo du président de la République qui, à l'occasion du mois de la femme, à l'occasion de l'anniversaire de sa femme, a souhaité remettre à sa femme juste une fleur, comme une surprise, et c'est devenu un problème. Mais il fallait que ce problème soit discuté, soit débattu, na façon nyonso na niveau, y a balabala, na bachegue, et ainsi de suite. Mais je vois que ces sujets est comme ici, na ba plateau à la télévision. Et na ba plateau à la télévision, il y a de mensonges, il y a de manipulations. Je voudrais donner une version. Oyo Yangaï, oyo Monanike, tout ce qui s'est dit là, tout ce que mon frère, surtout Perro Luara, a dit à l'endroit du chef de l'État, c'est un mensonge. C'est une manipulation qui n'a rien à voir avec le travail d'un journaliste. Voici, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette vidéo, je commence par vous présenter la vidéo du président de la République. Comment il fait cette petite surprise à sa femme et c'est le déclenchement de tout. Voici la vidéo. Chers amis, c'est un peu ça la vidéo qui a tout déclenché. Et cette vidéo, quand nous avons vu tout ça sur les réseaux sociaux, mon frère Perro Luara n'a pas apprécié ça. Pour lui, c'est un geste honteux
C'est une attitude qui ne pouvait pas avoir lieu. Il a analysé ça de toutes les façons. J'ai suivi moi-même. Il y a des gens qui ont commencé à m'envoyer des vidéos. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as une idée? Alors, je vais vous donner un extrait de l'émission de Perrault Louara. Comment il critique ce geste du président de la République. Suivez avec moi ça. Pas d'eau, pas d'électricité. Au lieu de nous montrer notre président de la République en train de réfléchir, de travailler, sacrifiant même sa famille pour trouver des solutions à nos problèmes, non. Vous prenez, vous nous montrez un président caché derrière une porte en train de donner une fleur. C'est quoi l'image que vous donnez? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau de cette maman-là qui vit des situations d'insécurité par les groupes armés à l'Est et qui a la place de voir son président, commandant suprême des FARDC, réfléchissant pour amener la paix, on voit son président en train de donner des fleurs à son épouse. Vous dire ça, c'est vous. Voilà, chers amis, vous avez vu cette vidéo de Perrault qui a analysé ses comportements du président de la République dans tous les sens. Pour Perrault, il fallait que le président de la République soit concentré quelque part, en train de réfléchir sur comment ramener la paix à l'est du pays. Il fallait que le président de la République ne fasse pas ce geste, puisqu'il y a des mamans qui sont tuées à Béni, il y a l'insécurité à Béni, et Perrault est tout à fait contre. D'accord, monsieur Perrault, un journaliste pour qui j'ai beaucoup de respect, tu es dans les droits de critiquer, mais ça ne pouvait pas, ça pouvait être critiqué par quelqu'un d'autre, mais pas un journaliste comme toi. Je sais pourquoi je l'ai dit et je vais aller en détail. Mon collègue ici dit que le président de la République, ça c'est une honte. Ce temps-là que le président prend une fleur pour remettre à sa femme, c'était un temps de réflexion pour penser à la paix à l'est du pays. Un temps de réflexion pour dire non aux tueries. Perrault, est-ce que tu as bien réfléchi avant de tenir un tel discours? Tu avais bien réfléchi. Je te jure, mon frère, mon collègue à moi, que le président de la République est une personne comme toutes les autres personnes. Il a une vie privée, il a une famille, il a toutes les activités sportives. Le président de la République peut embrasser sa femme en public. Ce n'est pas un péché, monsieur Perrault. Je vais t'amener beaucoup de preuves, puisque moi, je suis, mes fans me connaissent comme quelqu'un de preuve. Je vais t'amener une suite de preuves pour te montrer que ce que le président de la République a fait, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas quelque chose inventé, ça s'est fait chez tous les présidents de la République. Il y en a qui passent tout le temps à jouer de tennis, il y en a qui passent tout leur temps à regarder des films, à jouer des PlayStation avec des enfants. Je sais qu'il y a aussi le temps de faire ça. Si peut-être tu n'as pas pris le temps de suivre ça ailleurs, je vais vraiment te montrer aujourd'hui que tu es totalement à côté de la plaque. Regarde un peu mon collègue Perrault Louara. Voilà. Ici, je te présente cette vidéo de Barack Obama qui fait des bisous à sa femme partout, devant toutes les caméras du monde. Regardez, ce monsieur est un président des États-Unis. Monsieur Perrault Louara, tu as vu ce que Barack Obama fait devant toutes les caméras du monde dans une cérémonie officielle. Il fait des selfies avec ses enfants. Il fait des bisous à sa femme. Mais il y a des problèmes aux États-Unis. Chaque pays a ses réalités. Nous avons notre réalité à l'est du pays. Les États-Unis, va sur Internet, tape les statistiques des décès, des tueries par balle. Les États-Unis ont tué chaque jour au moins 100 personnes. Qui meurent par balle. Au moins 100 personnes. Mais les États-Unis, ils ont 1 300 000 militaires actifs. Des réserves 850 000. Plus de 800 000 policiers.
Mais chaque jour, il y a au moins 100 personnes qui meurent par balle. Monsieur Perolouaka, est-ce que ce président-là ne voit pas qu'il y a des gens qui meurent chaque jour? Va sur Internet, cherche les statistiques des tueries par balle aux États-Unis. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Au moins 100 personnes meurent chaque jour. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de chômage aussi. Partout, il y a des gens qui meurent. Comment tu peux condamner Tshisekedi qui a pris juste... Moi, fleur, moi, quoi, mouké, ça devient un sujet scandale. Père, tu as bien réfléchi pour prendre, tenir un tel discours devant tes internautes, tes téléspectateurs. Condamnant Tshisekedi qui ne peut pas faire ça, il doit se concentrer sur la paix à l'est du pays. Je te montre encore. Regarde, ce monsieur est un président de la République. Voici ce qu'il fait. Tu vas... Monsieur Perrault, tu as vu Vladimir Poutine qui s'entraîne dans la dojo, il oublie même que mon pays a des problèmes. Est-ce qu'il faut vraiment que le président de la République reste dans son coin, en train de réfléchir, il ne mange pas, il ne boit pas, puisqu'il y a des gens qui meurent à l'est du pays. Perrault, tu as bien réfléchi pour condamner Tshisekedi, dire tout ce que tu as dit là. Non, le président doit rester chez lui, concentré. Pourquoi vous nous offrez un tel spectacle? Tu es vraiment convaincu que Tshisekedi a commis un péché? De prendre ces bouquets de fleurs-là, remettre à sa femme? C'est pas encore fini. Regarde cette vidéo, c'est un président de la République qui a aussi des problèmes dans son pays, mais qui a aussi un temps pour sa vie privée. Tu vas les reconnaître. Können du also nicht lapsen, als Jugend? So kommt dazu. Voilà, je pense que mon collègue Perolouaka, tu as vu. Le président ougandais, Yoweri Museveni, qui est en train de passer son temps à faire sa gymnastique, à courir, mais il a des problèmes aussi chez lui. Tu pourras dire que c'est quel président qui vient de montrer qu'il est fort ici pendant qu'on tue à l'Est. Si Tshisekedi arrive à faire ça, je pense qu'au Kossi, ça y est pour ça. Est-ce que tu as bien réfléchi, Yakozwa Tshisekedi, Kocha est sur ton plateau, et dire tout ce que tu dis là, tu as vraiment bien réfléchi? C'est pas fini, Perrault. Regarde ici, sur cette vidéo, tu vas reconnaître un président qui a des sérieux problèmes chez lui. Mais il danse. Regarde ça. Ici, Perrault, tu es en train de voir Mamadou Bouhari, qui, pendant qu'il est en train de danser ici, chanter, il y a plus de 276 lycéennes enlevées et qui sont en captivité dans la forêt. Il est ici en train de danser. Perolouaka, tu avais bien réfléchi pendant aussi les Tshisekedi du Poso sur ton plateau pour dire ça, c'est une honte. Un président qui prend tout son temps à remettre des fleurs à sa femme pendant qu'elle est jamais à l'Est. Mouamadou Bouhari, que tu viens de voir, est-ce que tu connais le problème qu'il y a au Nigeria et dans la partie nord-ouest de l'Afrique avec les Boko Haram? Mouamadou Bouhari, il danse pendant qu'il y a des filles qui sont des esclaves sexuels dans la forêt. Il pouvait se dire, je ne fais rien, je ne sors pas en public, je reste concentré dans ma maison pour trouver des solutions, comment finir avec les terroristes. Mais il y a un temps pour tout le monde. Il a un temps aussi à courir dans sa maison, à danser, à chanter avec les gens, même si ses enfants-là sont en captivité,
comme nous les connaissons tous. Ba mususu ba bimisi ba balatisi bango nani bombe balobi ba komi ba kamikaze boke ne ko s'exploser. Mais yé na stade azobina. Yé na ndako na ya azobina. Pero, est-ce que tu sais qu'il a commis un péché? Yakobi misa fleur rappe sa na mwasi na yé. Ce n'est pas encore fini. Je peux te donner encore beaucoup d'images, mais je te donne celle-ci. Regarde ici, tu verras un président de la République en train de se relaxer alors qu'il a des problèmes chez lui. Voilà. Perrault, tu as vu cette image. Paix à son âme, Nkurunziza. Il n'est plus. Mais c'est presque. Cette image, Zalaki presque na souka ya mandanae. Président en fonction, qui vient sur terrain, en kilote. Si tu sais que de l'éloi à la kilote à Kena terrain, à Kébeta, match, mais aussi l'issaye poso. Aussi l'issaye poso ya Tshisekedi. Je sais que Tshisekedi, ce jour-là, a aussi la pendelle ou la savon. Pourquoi ne pas réfléchir avant de prendre le temps de montrer que Tshisekedi est nul, ce que Tshisekedi a fait le 8 mars, Azui Fleur seulement à Kepesanamoasinaï, à Memingam. Tu as vu toutes ces images que je t'ai données? Tu veux que je continue avec d'autres? Mais attends, d'abord, puisque tu parles des groupes armés, de la paix qui ne revient pas, revenons sur cette question-là des groupes armés. Pero Luaka, pendant que tu travaillais à Digital Congo, Digital Congo a vu le jour en mars 2005. De mars 2005, tu as quitté, je ne sais pas si tu as réellement quitté Joseph Kabila et toute sa famille, en 2018, l'herbe a foutu un bon monayote. Si aujourd'hui, tout ce que tu peux avoir de 2005 à 2018, c'est avec la famille Kabila. Je pense qu'on est d'accord. Ce qui n'est pas le bébé, il y a un salaire. Je ne sais pas. Et ça, il y a moi, il y a moi, il y a foyer. Est-ce que si tu as un bonheur, peut-être tu as un bonheur. Comment tu peux condamner Tshisekedi aujourd'hui qui a juste pris 30 secondes pour remettre moi, fleur, moi, c'est naïe. Mais pendant tout ce temps que tu étais à Digital Congo, on tuait à l'est du pays. Je peux te rappeler une chose. Regarde Perro Luaka. En 2006, quand il y avait l'opération brassage de l'armée, et tous les groupes, tous les belligérants étaient d'accord, le groupe Union Soya et Sikamoko. Tokomina Routour, Nkunda Boy, il refuse le brassage de l'armée. Il commence à se combattre dans le groupe, dans l'armée nationale. Bitumba Ezala qui m'a cassé en novembre. Novembre jusqu'en décembre 2006. À Boy brassage, il dit. Je dois vous obliger les mixages, c'est-à-dire vous quittez chez vous avec votre armée, vous venez, vos militaires vont s'ajouter à mes militaires ici, ils vont travailler là où je suis, nous on ne bouge pas. Il y a eu un combat sérieux et tous les Rutshuru étaient entre les médecins d'Nkunda. En novembre et décembre 2006. Mais regarde cette vidéo, cette photo. C'est le mariage de Joseph Kabila en novembre 2006. Pendant que ça chauffait à Rutshuru, pendant que Batutuna Rutshuru, tous les Congolais, ont fui Rutshuru à cause de Nkunda, Joseph Kabila était à Kinshasa en train de célébrer son mariage. Perro Luaka, tu peux me dire que tu as pu avoir le temps de passer sur Digital Congo. Monsieur le Président, on ne fait pas les mariages pendant qu'à Rutshuru, les Congolais sont en train de fuir. Les balles passent au-dessus des enfants et des femmes. Est-ce que tu as pu avoir le temps de lui dire ça? Parlons entre nous en famille. Kabila à Kinshasa, il fait les mariages, il célèbre les mariages avec des invités de marque. À retour où ça chauffait, banana, basi, bazo kima, bamso, bazo katana makolo. Tu as pu avoir le temps sur Digital Congo, lui dire, Monsieur le Président de la République, c'est pas bon de célébrer les mariages. Reste dans ton coin. Réfléchis d'abord sur les combats. Les FRDC sont en train de tomber, tués par Laurent Nkunda.
il a pris tous les Rutshuru. Et c'est le 31 décembre 2006 que John Numbi, à l'époque il était encore chef d'état-major de l'armée de l'air, qui va à Goma rencontrer Nkunda. Les deux traversent au Rwanda pour aller négocier la suite des opérations. Rutshuru mobilisation na maboko Nkunda. Et ces opérations au Rwanda, ces discussions au Rwanda, ont été arbitrées par James Kabarebe. J'ai les photos, j'ai la date, j'ai tout. Vous étiez sur Digital Congo. Est-ce que vous est-il arrivé de dire à Joseph Kabila, non, arrête, ne faites pas. De l'autre côté, il y a des gens qui meurent. Mais comment aujourd'hui, puisque les gens meurent là-bas, tu demandes à Tshisekedi de rester, d'entrer en retraite. Tshisekedi, tout le monde y est le 31 décembre, à Zobé, t'as ma boque en église seulement. Et commis problème. Non, ok, Sambela, ou Batwazo Koufana Est. Tshisekedi a mis Kwanza, t'es soka mi Kwanzi. Batwazo Koufana Est, y a Azo mi Kwanza. Tshisekedi a Kosola. Azo Kosola, boy, Batwazo Koufana Est. Chers amis, to bongwana. Je sais que Perrault, en tout cas, il n'y a rien de professionnalisme dans ce que tu as fait. Tu as essayé peut-être de chercher, de faire un buzz. Juste ça. Si aujourd'hui Kabila est parti, il est parti et il a laissé 120 groupes armés, Perrault Louara, Bozalaki na Kabila ensemble. Moi, quand je suis arrivé dans la conférence de Goma sur la région, conférence sur la paix, à la tête, celui qui avait organisé Abbé Malumalu, en 2008. J'ai trouvé que dans la salle, il n'y avait qu'une douzaine de groupes armés. Ou 14. 7 dans le sud Kivu, 7 dans le nord Kivu. J'ai participé au débat, à toutes les discussions, tout ce que les groupes armés voulaient. De 2008 en 2018, Kabila part, il nous laisse 120 groupes armés. Et tu veux que Tshisekedi qui vient d'arriver, puisque ces groupes-là ont été installés dans 18 ans, tu veux que Tshisekedi quitte de 120 à 0 dans moins de 2 ans. Est-ce que tu réfléchis? Pour construire, vous avez pris 18 ans. Pour détruire, il faut maintenant que Tshisekedi prenne 2 ans pour tout détruire. Tu étais sur Digital Congo. Est-ce que tu as pu avoir un temps, un jour à dire, Monsieur le Président, les groupes armés Balongwe 20, Bakomi 30, Bakomi 40, Bakomi 50, Bakomi... Tu étais silencieux, tu prenais ton argent, tu mettais dans ta poche. Aujourd'hui, tu passes, tu donnes l'impression d'être contre Kabila. Non, si Kabila a réussi, il avait tout un travail avec tous les départements. Kabila avait les départements de l'armée. S'il a réussi à installer 120 groupes armés, voici les gens qui ont aidé Kabila à asseoir ces 120 groupes armés. Il y avait l'armée, il y avait la police, il y avait les services de renseignement, il y avait la communication. Et dans l'équipe de communication, il y avait Digital Congo, là où toi tu travaillais. Tu vois que tu as aidé Kabila à pouvoir installer 120 groupes armés. Pourquoi ne pas peut-être avoir, se réserver à ne pas dire un certain nombre. Vous avez aidé Kabila, puisque Digital Congo c'était une chaîne Bosimbate. Tokomi na Goma, na conférence à Goma. Priorité, Ezananouyabino. Priorité, c'était Digital Congo. Nous autres, et c'est les moyens qui a permis à Kabila d'asseoir son pouvoir et de renforcer 120 groupes armés Batikalawana. Comment les lois ont commis problème à Tshisekedi? Tu diras que tu n'étais pas informé quand ces groupes armés-là quittaient de 1 jusqu'à 120. Mais vous êtes parti du plus petit au plus grand. Maintenant, pour que Tshisekedi arrive à un niveau, il y a groupe armé zéro, il faut qu'il quitte aussi du plus grand au plus petit. Bobandina 1, 2, 3, 4, 5, Yepa Bandana 120, 120, 119, 115, 110, 109, et puis c'est comme ça que ça ne peut pas parachuter comme un miracle, Perrault Louara. Vous avez aidé Kabila à être fort, vous lui avez dit, reste là-bas, sur le plan communication, nous allons t'appuyer. Et vous avez appuyé Kabila pendant 18 ans. Vous avez déjà dû faire un communiqué sur Digital Congo. Madame, messieurs, nous ne sommes pas contents, les groupes armés augmentent. Non, monsieur le président, allez-y. Dis-nous tout ce que nous pouvons dire sur les médias. Nous sommes un média pour toi, nous devons t'encourager. C'est comme ça que vous avez aidé Kabila. Et aujourd'hui, tu deviens comme une personne sainte, et au comique total, tu sais qu'il dit, monsieur le président, on n'a pas ceci. Et tu parles du chômage.
Pourquoi vous ne pouvez pas aider la population à comprendre que Misala et Komaka et quoi a raté le Kolaman? C'est ça un travail. Il y a la personne que moi je comprends comme communicateur pour le changement. Les travail arrivent pas comme de manne qui tombe. Voici comment les travail arrivent. Et c'est ça que nous devons aider. Nous devons dire à la population. Misala et Komaka boy Perolouara. Il y a d'abord quelqu'un qui quitte avec son dossier à l'lobby. Je m'en vais chercher du travail. À Keïti na compagnie. Compagnie à lobby, ok, venez, nous recrutons 1000 personnes, 5000 personnes, ils vont nous produire ça. Cette compagnie-là n'est pas tombée du ciel. La compagnie a été amenée par la personne qu'on appelle investisseur. Il se décide dans son pays, il dit, je prends mon argent, je vais m'installer en RDC pour produire peut-être de maisons préfabriquées. Et je vais engager 5000 personnes. Mais avant de venir en RDC, l'investisseur se pose la question, est-ce que là où je vais, je suis en sécurité, moi-même avec mon argent? Est-ce que là où je vais, je pourrai avoir des bénéfices ou nakay ko bousier mbongo, nakay bois mbongo? Il se pose toutes ces questions et pour trouver des réponses, il se base sur des différents rapports. Il va chercher les rapports de ceci, il va chercher les rapports des ONG internationales, il va également à la Banque mondiale, au département qu'on appelle Doing Business, il va voir la liste de pays où le climat des affaires est bon. Mais voici là où Joseph Kabila nous laisse. Il nous laisse 183e sur 186 dans le climat des affaires. Donc nous sommes dans une zone rouge. Un investisseur sérieux ne peut pas venir en RDC. Le bas peut-être chinois, indien, libanais, qui viennent pour jouer avec les Congolais. Il peut t'engager le matin et le soir il te vire. Il te donne 100 dollars. Dans les 100 dollars, tu as les transports, tu as ton coca, tu as tout. Osakana betio yo tata mobima, osana bana, osana moisi, il te tape abi, va m'accuser même chez Tshisekedi. Mais un investisseur sérieux, un Français, un Anglais, un Américain, un Australien, ne peut pas venir en RDC puisque d'après la Banque mondiale, c'est une zone rouge. Tu étais là quand nous sommes partis de 1 jusqu'à 183e place. Tu as pu dire à Kabila, attention, avec cette position, le chômage va augmenter, les investisseurs ne viendront pas. Tu étais sur Digital Congo. Tu lui as dit quelque chose dans ce sens? Mais comment toute cette période de 2005 où Digital Congo a vu les jours en RDC, mars 2005, en 2018, tu étais calme. Maintenant, aux 8 chômages, au Tchénama Pekaya, Tshisekedi, même si Tshisekedi va arranger le climat des affaires, il quitte de 183e jusqu'à zéro. Tu es sûr? Dans moins de 2 ans? Mais attends, comment nous pouvons faire cette communication avec des intentions? Je ne sais pas s'il faut faire de buzz, critiquer Tshisekedi comme ça, les gens vont aimer ma chaîne et vont commenter. C'est ça la logique, Misala Ezoya, selon le climat des affaires. Les Congolais vont travailler, il est sécurisé. L'employeur offre du travail aux Congolais. Lui aussi, l'employeur, est sécurisé. Son argent est sécurisé. Il aura des intérêts, il n'y a pas de tracasserie. 183e sur 186. Vous avez dit à Kabila, attention, investisseur, il y a tes chômages et comment 18 ans que tu étais sur Digital Congo. Mais si on est arrivé le chômage à 96%, mais tu as contribué avec Kabila puisque tu étais du département communicationnel de Kabila. Mon frère Perrault, tu as bien réfléchi pour critiquer Tshisekedi puisqu'il a pris seulement ma fleur pour nous remettre dans moi. Mais attends, Kabila est parti. Non, chômage, j'ai vu. Monsieur le Président, Misala Ezate, l'Union Sacrée. Parlons du chômage. Kendena Onem pose la question depuis 2005. Disons 2005 au Bino, Bobandi Moussala na Digital. Tibo Kabouani na Kabila, Soki Bokabouani, je ne sais pas. Combien de Congolais ont eu du travail? Kabila est parti. Quelle est la société Joseph Kabila Kabange Company? Ils ont fabriqué à ta même tige coton yapamba. Tu manges Perro le matin, je l'ai dit dans des émissions. Tu te réveilles, tu prends la brosse, écrit Angola. Au silicieuse dentifrice Colgate, marque américaine fabriquée à Shanghai en Chine. Au bandico brosse mino. Si ces gens ne nous envoient pas ni des dentifrices, ni des brosses, yonanga toko zongela, bandetia bako kwanayo, tu zaiki kosa ilana, na tongo, bateka na zando.
Natongo, aussi ce brossé, biloko à papaya, au matin, à mesa pendant au petit déjeuner. Qu'est-ce qui est fabriqué à Kinshasa que tu prends na petit déjeuner le matin, na période à Kabila? Tout vient de l'extérieur. Sucre, miliki qui vient de Suisse, Hollande, margarine qui vient de Malaisie, fabriquée avec l'huile malaisienne, farine de blé qui vient en Brésil. Nani, levure qui vient de la comment dire, Turquie. Tout vient de l'extérieur. Mayonnaise, tout chocolat, tout vient de l'extérieur. Wana le matin. Tu viens à midi, ok, que ce soit Thompson, Namibie, ok, que ce soit Ngombe, Brésil, ok, que ce soit tout. Même l'été du matin, là, c'est le Rwanda qui produit. Et nous sommes le premier consommateur du thé rwandais. Qu'est-ce que Kabila nous a laissé aujourd'hui au commu? Kocha pression, c'est comme si Tshisekedi est nul seulement les 2 ans qu'il a fait. Il faut qu'il trouve la solution à tout. Quand tu manges à midi, tu termines, tu prends la. Ok, Zouakir dans Otiana Lin, made in China. Et tu critiques Tshisekedi. Et tu vois que nous, on peut fermer nos bouches, te vendre le biwa, péro, félicitations. Il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi. C'est ça le travail des communicateurs. Aider les gens à comprendre que Missa, là, ça ne tombe pas. Il faut aménager les terrains que les investisseurs viennent tuer sécuriser. Mais il y a des bois qui pourrissent dans notre forêt équatoriale. Il y a comme ça la table à cahier, il y a comme ça la table à cure-dent. Tout vient de l'extérieur. Et quand tous ces bateaux arrivent nous laisser des histoires d'autres pourrus, et ils ont la vide. Dis-moi, qu'est-ce que nous exportons depuis que Kabila était au pouvoir? Tu as travaillé avec Kabila dans le département de communication et presse. Ça, j'insiste, puisque tu étais de Digital Congo, la chaîne qui a fonctionné avec l'argent de Kabila, 100%. Quand ces bateaux viennent, il y a Malaisie, il y a Brésil, il y a Suisse, France, tout ça vient. Tina Bamatungulu, ça vient de l'extérieur. Ces bateaux-là rentrent avec quoi? Perro, tu peux nous dire, tu peux nous donner la réponse? Pendant 17 ans, 18 ans, ces bateaux-là rentrent avec quoi? J'ai vu des bois qui sortent de manière clandestine, ce qu'on a dans le budget de l'État, il n'y a rien, il n'y a aucun pourcentage qui vient de la forêt. Nakuti, bah militant, il y a Greenpeace, na Anvers, bah là les banzetebo et balobi, ils ont en RDC bafout à taxe et biminandenga mouyibi. Vous avez pu dire tout ça sur votre chaîne Digital Congo. Aujourd'hui, tu sais que tu ne peux pas remettre une fleur à ta femme. Il faut se concentrer sur les gens qui meurent à l'Est. Monsieur Perrot, tu maîtrises bien la situation de l'Est, je pense. Tu sais que vous avez toujours couvert toutes les activités de l'état-major général. Ça, je sais que Digital Congo a été toujours privilégié. Digital Bozawap. Mais vous savez, quand l'état-major général prend une résolution de traquer un groupe armé, après la réunion, ce sont des officiers supérieurs formés par Kabila, qui était le commandant suprême. Il les prend dans les groupes armés, il les met dans l'armée nationale. Après la réunion, ils prennent les téléphones, ils appellent les groupes armés. Nous venons de terminer une réunion de l'état-major général. Le lundi, on va vous attaquer par le sud, chercher comment fuir par le nord. Comme ça, tu vois qu'on a place dans le vide. C'est toujours l'armée de Joseph Kabila. Batindi bandekonabiso bakei bakwe na biscade bakufi. Et là, vous êtes là, calme sur Digital Congo. Tu dis que tu n'étais pas au courant? Tu sais qu'on a déjà envoyé des munitions aux gens basant à front, battant des munitions, ils ont coucanaté une arme basant en haut. Tu le sais bien, non? Mais comment tu peux dire des choses? Je ne sais pas pour nous sepelisanani ou soit bato diaspora, bon monela, non, na sali pour nous sepisa bato nanga na diaspora. Cher ami, tout ça la musala pour nous songamboka, mais pas pour nous comme ça, de sorte que nami mona, puisque tout ce que tu dis, tu te rabaisse jusque prenez cette émission. Partager à Perro Loara. Si il sait que j'ai menti dans tout ce que je dis, qu'il revienne me dire ici tu as menti. Je ne souhaite pas mentir, Nazana Posate, Naye Awana Lexatan Nyons pour mentir. C'est une honte pour la presse. Monsieur Perro, tu sais que Batumusus Bazoya Namboko Yote, pour la corruption, Oyo Joseph Kabila Tika. Tu as eu un jour à poser la question à Jeannette Kabila qui était ta patronne, Oyebise madame. La manière dont ta vie augmente, les Congolais murmurent, puisque
pouvoir d'achat na bango ezoko kanate. Quand je vois tout ce que tu as comme richesse et le pouvoir d'achat des Congolais, madame Zalana moi frein. Vitesse eleki. Tu as pu lui dire ça? Tu étais ici délégué syndical na Digital Congo. Elle venait chaque jour na Digital Congo. Tu as pu lui dire que bozu na yo, na bozu ya ba Congolais, rapport ezate lembisa. Tu lui as dit ça un jour? Mais comment aujourd'hui, corruption, nous sommes depuis que Kabila Kota, nous sommes dans les top 10 des pays les plus corrompus de la planète. Digital Congo donne des informations chaque jour. Vous lui avez dit, monsieur le président, ici, nous sommes en train de... Nous sommes dans les top 10, beau bouger, ton matin, 50e, 60e. Non, Kabila, tu travailles bien, continue. Tu es dans les bons. Lelo, au commis... Donc, Lelo Balouki, au lobby, c'est Tshisekedi qui doit trouver des solutions sur place. Nous sommes aujourd'hui sur... Ça, c'est le rapport de Green de Transparency International qui dit que sur les 180 pays, Bissot aux Assouris 173e, dans les top 10 des pays les plus corrompus. Nassimana Bissot, Okutaba Somalie, Okutaba... Chers amis, nous sommes 183e. Ti Osengi na Tshisekedi dans deux ans, Tolongwa na 183e, comme on a 10. Pendant que vous avez travaillé ça dans 18 ans. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu pries, Perro Louara. De la même manière, nous sommes allés de 1 à 183e. Et puis, tu sais que tu peux arrêter au bout de tout, on a Kokita. 182e, 181, 180, 70, 170, 165, 150. Tito yo koko on a 10. Batangi Bisobabi, nous sommes parmi les 10 meilleurs pays en matière de il y a lutte contre la corruption. Comment tu veux que Tshisekedi Alongwa de 183e à Komana 10e? Par quelle magie? Est-ce que vraiment Bissoba intellectuel nous réfléchissons? C'est la même manière, même au niveau du détournement. Nous sommes toujours dans les top 10. Jamais Mbongo Elongwa n'a bureau télé comme un bureau Moussousou sans que Moussousou est bon à Nanzela dans un embouteillage. Et nous sommes dans les top 10. Tu as pu dire à Kabila, attention, monsieur le président, Tozo Kende, réputation Zobeba, dans la dernière réunion tenue à Kigali sur la bonne gouvernance au niveau de l'Union africaine, les bons élèves, tu sais, c'était les Rwanda et les Botswana. Tu connais les mauvais élèves, RDC, Somalie. Kabila était dans cette réunion-là, on a publié ça. En matière, il y a bonne gouvernance. Digital Congo a couvert ça. Vous lui avez dit, monsieur le président, qu'est-ce que tu penses? Nous sommes des mauvais élèves. Nous devons trouver une solution. Digital Congo, vous lui avez dit ça? Il fallait même donner ce sujet à quelqu'un d'autre à critiquer Tshisekedi. Mais pas toi. Vous êtes parmi les gens qui ont détruit ce pays. Et moi, personnellement, je te traite comme je traite Joseph Kabila. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est Kabila et tous ses services, dont les services de communication, là où tu faisais partie. Perro Louara, tu as vérifié la liste de meilleures universités de l'Afrique. Tu as vu une université congolaise pendant 17 ans de la gestion de Kabila? Réponds-moi. Va sur Internet, top 200 des universités en Afrique. C'était quelle université qui apparaissait sur la liste? Zéro université. Mais Kabila était entouré de gens qui parlent en français, comme toi, comme les autres qui, chaque jour, nous sont en veste. Nous sommes les meilleurs, nous sommes ceci. Les universités zéro Tshigéon. Au lobby, n'engi ba bokilo nanga ba Congo ba lobaka ku basadi langa ku ba dilanga. Tu y es là, tu ne fais rien. Tu dis na loba ba ufuta ngaite ku basadi langa. Perro Louara, tu devrais réfléchir mille fois avant de mettre Tshisekedi sur la place publique, critiquer pourquoi il a pris le temps de remettre une petite fleur à sa femme à l'occasion de son anniversaire. Et à l'occasion du mois de la femme. C'est comme si tu m'as insulté, moi. Pas d'eau, pas d'électricité. Au lieu de nous montrer notre président de la République en train de réfléchir, de travailler, sacrifiant même sa famille pour trouver des solutions à nos problèmes, non. Vous prenez, vous nous montrez un président caché derrière une porte en train de donner une fleur. C'est quoi l'image que vous donnez? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau de cette maman-là? Qui vit des situations d'insécurité par les groupes armés à l'Est et qui a la place de voir son président, commandant suprême des FARDC, réfléchissant pour amener la paix
on voit son président en train de donner des fleurs à son épouse. Père Louara, Tshisekedi a remplacé un autre commandant suprême. Il n'est pas le premier à être commandant suprême. Il a remplacé un autre commandant suprême. Tu avais dit, tu avais tenu ce langage à ce commandant suprême-là. Tu lui avais dit ça? Ou tu as eu cette idée quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Et on doit arrêter avec la flatterie. Chers amis, vous qui m'avez fait confiance, je ne passerai jamais un tel comportement dans les médias. Ces médias HK Today, je me suis décidé de dire, c'est vraiment une ligne rouge. Et ça, pour corriger tout ce qu'il y a, comme ce genre de choses. Quand quelqu'un vous amène un tel discours, Bobetelie Maboko, il vous distrait. Et je vous conseille de ne pas suivre ce genre de conseils. Posez la question à ces messieurs. Messieurs, oui, Tshisekedi n'est pas le premier commandant suprême. Avant lui, il y avait un autre commandant suprême. Et pendant que ce commandant suprême-là était en train de gérer, les gens ont commencé à mourir. Les enfants dorment dehors. Ils sont chassés. Et il y a des gens qui sont tués chaque jour. Nous avons plus de 120 groupes armés. Ce commandant suprême-là est parti. Il a laissé la capitale mondiale des viols, la RDC. Lui, tu lui as tenu ses discours. Perrot, tu lui as tenu ses discours. Chaque 45 secondes qui passent, une femme est violée sur les sols congolais. Tu n'étais pas là, tu étais sur Digital. La chaîne suivie sur l'ensemble de... sur toute la planète d'ailleurs. Tu lui as tenu un tel discours. Où les lots, tu demandes à celui-ci, à côté de la chambre, à Kanga, porte, à côté de la retraite, puisqu'il y a des gens qui meurent là-bas. Il ne peut pas manger, il ne peut pas discuter avec sa femme, il ne peut pas échanger avec sa famille. Tu es sérieux? Mais ça c'est... En tout cas, chers amis, comprenez quand même mon émotion. C'est vraiment de l'abondance du cœur que parle ma bouche aujourd'hui. Parce que j'en ai tellement entendu. J'ai vu... Si je ne parle pas de ce sujet, je serai complice. Perrot, tu ne peux pas dire ça. Tu ne pouvais pas dire ça. Il fallait après... Moi, à ta place, j'inviterais peut-être les couples. Les couples qui est pour ces gestes du président de la République. Et les couples qui est contre... Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon dans ces gestes du président de la République? Et tu t'arrêtes là. Chers amis, tout ce que tu sais qu'il a commis comme péché, c'est ça. Il a pris juste ce... moi, Fleur Wana, à Pessena Mwassinaye, à Memingam. Il fallait qu'il soit dans son coin, en train de réfléchir sur la paix à l'est du pays. Et puis, Botu, Bobetelipe, ma boko, n'a mon rappel, ma tonso, bazotin, n'a mbongo. N'a y pena l'oukara mbongo, ko. N'a se a la vidéo, signe mon roi dollar, pèse à place, wana. Au coup, moi, qu'il a rappel, moi, un dollar, et ça l'a bien. Chers amis, n'a se qui, pour ne pas montrer que je suis en colère, Perro, tu es mon collègue. Et tu as fouté Penamabe. Il ne fallait pas prendre ces... Pour moi, j'organiserai un débat vraiment à Kitoko. J'invite des gens. Comment vous appréciez les comportements du président de la République? Non, il ne pouvait pas faire ça. Et sous Kanaba invité, yo opé si positionné. Au Baloukipe côté Moussousou Yabasi, j'ai vu que beaucoup de femmes ont apprécié ces gestes. J'ai vu même mon épouse qui me dit, papa, au coup, ça a flirté, n'est-ce pas président, pèse na moissinaï. N'a qu'il écoute, n'a qu'il luka. Chers amis, est-ce que c'était un problème il y a qu'on condamné? Non, le président, quel spectacle vous nous offrez pendant que les gens meurent à l'est du pays? Tu sais, depuis que les gens ont commencé, j'étais vu, je ne souhaite pas entrer dans ta vie privée. Là, je suis sur le plan professionnel. Tu sais combien d'enfants tu as fait depuis qu'on a commencé à égorger les gens à l'est du pays? Et toi, tu peux le faire, Perro, tu es sérieux, vraiment? Bon, alors, je souhaite m'arrêter par là. Il y a beaucoup de choses que je pouvais dire à mon collègue. Je n'ai pas pu avoir l'occasion de te parler au téléphone. J'ai fait cette vidéo juste pour te remettre. Nous sommes là, la population ici nous a fait confiance pour que tout soit en bango, na développement, y'a information, na dinga ko soit en boka. Quand quelqu'un écoute une émission à la fin, il se dit, j'ai une idée claire sur... comment les pays marchent. Pas tout qu'il y a des débats, il y a niveau, ça c'est vraiment les débats de base. Il faut qu'un président ne bouge pas, puisque
Allez, ça ne marche pas. Tshisekedi du travail, il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il vienne vous dire à la télé, chers amis, chaque jour ici, moi d'ailleurs, Nalia Kananda côté. Tu es vraiment sérieux, il faut que ça se passe comme ça? Non, Perrot, tu m'as déçu. Pourtant, j'ai beaucoup de respect, je respecte ton travail, tu le fais bien. Mais là, tu es vraiment à côté. Et moi, à ta place, je reviendrai pour demander pardon aux gens. Chers amis, vous qui m'avez suivi, j'avais attaqué le président de la République. Pourtant, ce geste-là nous a tous encouragés, tous les maris, de pouvoir faire un geste de reconnaissance, d'amour à nos femmes. Martin Fayulu Loaza, grand footballeur, je l'ai vu jouer très bien au foot. Jour à Kobima, pilote, à cinglé ou soit polo, à Zobeta. Je sais qu'au Kossi, ça y est, poso. T'as là-bas politicien. Au lieu de réfléchir sur l'opposition, il y a l'ati tenu, à l'ati va rezaké Betabal. Perrot, tu veux que les politiciens en ordre de Sébastien. Les politiciens ont aussi droit à une vie. Il peut faire du sport, il fait tout ce que toi tu fais. Tout ce que toi tu fais chez toi à la maison là, l'homme politique doit aussi le faire. Ça, tu dois mettre en tête. Chers amis, je m'arrête par ici aujourd'hui. Soutenez aussi notre chaîne. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je vous serai très reconnaissant et je vous aime bien. Beaucoup de commentaires. Je vais lire vos commentaires à la fin de l'émission. Commentez, dites-moi comment était l'échange d'aujourd'hui. C'était un échange personnel. Mais je voulais juste dire non à ce genre de débat au niveau de la presse qui a diminué la presse. Il faut tous ces débats. Et hein, tokola na niveau de débat. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne si vous êtes là pour la première fois. C'est une manière de nous encourager, de nous dire, Aska, d'accord, allez, vas-y, je suis avec toi. Et si vous avez la possibilité de nous appuyer, de contribuer à notre travail, il y a un signe des dollars à côté, vraiment en bas de cette émission. Et ok, car moi, attends un dollar au bois Kélibisso, ça nous fera énormément du bien. Nous avons une grande équipe qui travaille. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à me suivre aujourd'hui. Bon week-end à toutes et à tous. Ce n'était pas le sujet prévu, mais j'ai eu beaucoup de réclamations. Je dis, pourquoi n'est pas aussi qu'on s'appelait ça va abonner Nangaï, qu'on s'appelait ça va que je suis là, je sais aussi analyser et vous pouvez aussi m'écouter. Chers amis, je vous aime bien. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, comme je l'ai toujours dit, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir.